Chema les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox. On va essayer de tester le petit code là, Lucky. Et voilà, j'ai décidé de changer de métier. Je ne suis plus donc youtubeuse. Monsieur, vous avez un problème là avec votre jambe là. Oui, oui, monsieur, c'est à vous que je... Attends, je rêve ou il me suit? Mais qui êtes-vous? Mais il me suit vraiment? Mais arrêtez! Je me sens oppressée, mais qui êtes-vous? Mais c'est normal là qu'il me suive. Ça fait partie du jeu en fait, je crois. Je croyais vraiment que c'était quelqu'un qui me suivait. Et il se retourne, il me regarde, mais non. Ok, donc j'ai changé de métier, j'ai décidé de travailler pour Amazon et livrer vos colis. Donc c'est ce qu'on va faire, enfin du moins c'est ce que je pense qu'il faut faire. Là je peux pas, d'accord. Ok, ils veulent direct mon argent, hein, comme ça, direct. Hein. Ok, on va suivre le numéro 1, on vient jusque là. Alors là, faut que je suppose qu'il faut que je prenne le carton. Et faut ren... Ok, il faut que je cours. Ah oui, parce que oui, il faut que je me dépêche. Mon patron, il va me virer si je me dépêche pas. Voilà. Va dans le... Dans l'entraînement hier pour devenir plus fort. Alors, où est-ce que c'est? Donc là, je peux pas y aller. Je suis pas assez forte. Oh là là, je suis vraiment pas forte en vrai. Hop, donc j'ai... Oula! Le mec, il a rapporté 3 cartons d'un coup. Moi, je vais prendre ce carton-là. 200 de strength, c'est mort, 200 de puissance, je fais clairement pas le poids. Donc, apparemment, ici, on peut s'entraîner. Ok, j'ai pu le faire qu'une seule fois, parce que vous voyez, c'est l'énergie en haut, et je n'ai pas assez d'énergie, quoique si je peux. Non, je peux pas. Donc, j'ai 6 en force. Ok, donc, ok, je comprends c'est quoi le but du jeu. Là, vous avez les cartons. Chaque carton a une puissance différente. Donc, par exemple, il faut avoir 5 de puissance pour pouvoir prendre celui-ci. Donc, je le prends et je me déplace juste jusque-là. Bim, et je reçois de l'énergie. Avec l'énergie, je m'entraîne et je deviens plus fort. Enfin, du coup, plus forte. Ah, mais lui, il s'est commandé une cuisine complète, là, le carton, vu la taille. On peut acheter des pets. Alors, comment ça marche, les pets? Ah, d'abord, faut que je finisse le tutoriel. D'accord, il n'y a pas de souci. Je m'en occupe. Oula, ouf. Ah oui. J'ai perdu la moitié de mon corps. Je me suis fait écraser par une haltère. Oh, mais attendez! Mais il a pris plusieurs cartons en même temps. On peut prendre plusieurs cartons. 5. Je peux pas en prendre plus. Ok. Parce que bon, 5 fois 3, ça fait 15. Techniquement, je pourrais en prendre encore un. Ah, je peux pas bouger, regardez, j'en ai pris 2. Ça fait 50, j'ai que 46 de force et je ne peux plus bouger. Aidez-moi! Ok, j'en ai enlevé une. Oh, il y a un petit coffre caché là. Oh, mais ils me saoulent avec leur tutoriel là, j'arrive pas à le finir. En plus, je l'ai déjà fini normalement. Ils me disent quoi? Let, machin, one box. What the fuck, j'ai pas compris pourquoi je suis partie toute speed d'un coup là. Ok, j'ai skip exprès parce que ça me saoulait. Donc, j'ai relancé le game, j'ai skippé le tutoriel de merde, de caca là. Et moi, je mets un pet. Ah, ça, c'est... Ok. Je peux pas avoir un golden pet, là. Oh oui, mais j'ai assez, en vrai. Je peux prendre un golden pet. En vrai, les golden pets, je les trouve moins beaux que les normaux, mais bon. J'aimerais bien voir le lion, là. Ah, mais non, mais je suis rendu compte, en fait. J'en ai 105. Bon, bah, on va prendre ceux-là. Hein. Je veux le lion. Oh, bah, j'ai un chat. Bon, bah, là, je vois que j'en ai un deuxième, des chats, d'accord. Ah, non, c'est un lapin. C'est un lapin. Le lapin, on l'a 28%. Bon, c'est pas si rare que ça, en fait, hein. À quoi ça sert, en fait, les animaux, là? Vous servez à quoi, les animaux? Pour 1,5. Bon, on va prendre les lapins. Coucou, les lapins. On va voir si vous me servez à quelque chose. On dirait des gogoles qui me suivent, quoi. Regardez-les. Ils sont mignons. On dirait les petits lapins crétins, regardez. Waouh. Ah ouais, je suis en x2 peut-être avec les pépettes. Hein. Ah, les petits rewards là. Moi, je prends là les coffres. Hop. Ok, et il y avait quoi dedans? x2 fois énergie plus 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, flemme. Flemme de rejoindre le groupe là. Actuellement, flemme. Est-ce que je peux faire tourner la roue? Spin. On a obtenu quoi? Boost 2 fois plus de strength. Bah parfait, écoutez. Et je peux encore une fois. C'est parti. Et plus 400 d'énergie. Bof. On va te dire l'énergie, on l'a tellement vite. Là, il faut être 66. Là, 200. Je suis pas encore assez forte. On va prendre 2 cartons ici. Et je vais essayer de aussi ramasser ce petit coffre là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure maintenant que
Hop. Ah. Deux fois strength. Ouais, il y a un énorme coffre qui court là. Et what the fuck, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Et ça va pas toi? Mais le mec il ramasse des coffres énormes, je sais pas d'où il sort, regardez-moi ça. Mais il les a sortis du panneau là qui est au milieu. C'est quoi ça? Il était là, il a sorti les coffres d'ici. Je vous jure. Ah mais c'est trop bien, on peut se téléporter. Regardez là. Hop. Faut me faire chier à chaque fois à marcher, mais c'est génial ça. Et j'ai débloqué du coup la deuxième zone. Parce qu'en fait je me suis téléporté directement sur la zone Winter. J'ai pas cherché à comprendre. Là je deviens méga forte. Et je vais garder quand même quelques points pour aller chercher... Non stop stop stop. Non, j'avais dit que je voulais garder quelques points. Bon au moins je pourrais je pense prendre au moins deux gold pets. Puisque techniquement les pets gold devraient être plus intéressants quand même. Allez. Yes. Et on a un 4. Donc je pense que c'est le pire de ce qu'on pourrait avoir. Ouais. Le mieux, ce serait singe, voire le lion. On retente. Allez, le singe ou le lion? Toujours pas. Attendez, pourquoi ils sont pas gold, ceux que j'ouvre là? Et le dernier. Golden dog. Mais ils ont pas la même couleur en vrai. Hein. Ils ont pas du tout la même couleur. Sur l'image, mais là ça va. Ah oui. Alors on enlève ceux-là et on met les trois meilleurs comme ça. Ah oui, le lapin c'est le meilleur des trois que j'ai eu. On va directement se téléporter dans la deuxième zone. Et la deuxième... Ah oui, il faut... voilà, pour s'entraîner... Waouh. Là pareil, hein, y a des pets. On va aller voir un petit peu les pets ici. Oh. C'est quoi ça? C'est un... C'est Dumbo. Frère, c'est Dumbo. Là, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est indéterminé comme animal. Franchement, si vous savez ce que c'est comme animal, dites-le moi. Aucune idée. Là, on dirait un piaf, un corbeau. Là, on dirait un sort de cochon doré. Et là, un phénix. Mais ça, franchement, Dumbo. Mais ça, c'est le pire. Mais ça, c'est quoi, ça? Ah oui. C'est plus des cartons, là, qu'on soulève, les amis. Ça, j'ai assez pour en prendre deux. Non mais une assiette, j'arrive à soulever que deux assiettes en même temps. Je suis vraiment une fragile. Ça c'est moi chez ma mère qui me demande de mettre la table. Je lui dis ouais non mais c'est trop lourd, j'arrive pas à porter plus de deux assiettes en même temps. D'ailleurs j'ai remarqué un petit coffre ici, pareil on va hop récupérer. Ah Golden Machine, on connaît ça, il en faut combien? 5? Ah, plus j'en mets, plus j'ai de chances que ça devienne un gold. Sauf que là, franchement, aucun intérêt à dépenser autant juste pour un lapin qui vaut pas grand chose. Ça me coûtera plus qu'autre chose, en fait. Allez, on va s'entraîner ici, les amis. Voilà, Thibaut in shape. Regarde, je te montre comment qu'on fait des abdos. Et voilà, et on se retrouve à 1370 de force. Genre ça, je pourrais le prendre, mais je pourrais en prendre qu'un seul. Ok. Et là, je pourrais en prendre 3. Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre 3? Ça me donne, ouais, d'accord. C'est plus intéressant d'en prendre un seul, mais voilà, une lanterne. Non, je crois que c'est plus intéressant de prendre quand même 3 assiettes. Ou bien, tout simplement, je vais aller m'entraîner. Attends, j'ai pas vu ça, upgrade. Des tokens. Mais j'ai 0 token. Je les vois... Ouais, ouais, you have 0 token. Ouais, 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 j'ai 0 token. Je sais pas où ça chope. Oh, j'avais pas vu, il y a un autre mini coffre caché ici. C'est le troisième. Donc vous avez un coffre dans la première zone, deux coffres dans la deuxième. Et sûrement le reste plus loin. Par contre, je sais pas d'où ça sort là. C'est quoi? C'est des bonus? C'est quoi? J'essaye le code Lucky. Ok. Ah oui, il y a plein de trucs là qui sont affichés d'un coup. C'était beaucoup trop long. Je ne sais pas lire le français, excusez-moi. Là, on peut dire que je suis forte. Alors attendez, par contre il y a un problème, un énorme problème, d'après vous, les amis. Dites-moi mes petits potes là, tu vas me dire qu'une table, c'est plus lourd, enfin cette table là, elle est plus lourde que le rocher. Comme ça. C'est logique. J'ai bien envie de tenter de savoir si les pets qui sont ici valent le coup quand même par rapport aux golden pets de la première zone. On va essayer d'en choper un pour voir déjà.
L'énergie, ça commence à être assez facile à choper. Et on a reçu un haul. Ça doit être celui-ci. C'est celui à 15%. Ça va. En vrai, ça va. Je vais regarder maintenant dans mes petits papettes. En vrai, je pense qu'il y a moyen que ça va, ça vaut le coup. À condition qu'on le transforme en gold juste après. Donc on va tenter d'en prendre plusieurs. Vu combien que ça coûte. Hein. Allez, c'est parti. Ça va être... voilà, oh, parfait. Un deuxième. On a reçu un bird, d'accord. Donc c'est pas un cochon, c'est un oiseau. Oh, on a reçu le truc moche, là. Je rêve où il y avait marqué rabbit dessus. J'en suis à combien de pet-pet? J'en ai quand même pas mal. On va voir si on tente le destin. Et combien que ça coûte, hein. Parce que sûrement que ça doit coûter plus cher que les premiers... voilà, hein. Ah oui, on a pas mal des comme ça. Et comme ça, on en a pas mal, les moches. Allez, 25 000, 60... Ouais, non, mais franchement, vu combien qu'on en a, on peut tenter. Allez. À 88%, oui, on a réussi. Et on va regarder si ça vaut le coup. Alors, il est où, mon... Le golden, il a 3,7. Donc, en vrai, c'est déjà mieux que les golden, les autres. Donc, on va enlever le moins bon. Et on va mettre celui-ci. J'ai envie de tenter le owl. Le owl, celui-ci, puisqu'il est quand même bien. 63%. Allez, on y va. Allez, yes, c'est bon, on a réussi. Je suis contente, on a réussi. Et celui-ci est à 4,4. Ce qui est vraiment bien. Hop, bim. J'ai des meilleurs pets maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? On peut même... Non, on peut plus tenter parce qu'on a plus assez d'énergie. Mais on va voir est-ce que ça en valait vraiment la peine ou pas de faire ça. Et oui, maintenant je peux carrément soulever deux rochers. Ouais, j'ai l'impression que ça vaut le coup quand même, hein. Non mais regardez-moi ce noob là, il prend un caillou, non mais franchement, j'ai demandé au patron qu'il le vire, il est trop lent celui-là. Les colis ça va pas assez vite là. Ah mais attendez, j'ai débloqué la troisième zone, j'avais pas fait gaffe. Bah oui, parce que je suis assez forte maintenant, j'ai débloqué la troisième zone, on va aller visiter tout ça. Allez venez mes petits pépettes là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah déjà on a un coffre, on le prend. Attends. 3 sur 5, 2 sur 5, 5 sur 5, ça veut dire que le quatrième, il est là-haut, il est au bout. Et là, oula, 14 000, ouf, 11 000, ouh, j'ai mal, ouh, j'ai pas assez de force. Je peux rien soulever, là. Attends, c'est peut-être par là, en fait, hein. 18 000, le coussin. Mais c'est une blague. Non, mais ils abusent, là, non? Genre, glove, attendez, c'est des gants. Peut-être qu'on pourra soulever plus avec les gants. Allons voir un petit peu ce que ça nous propose ici. Ah, il faut des trophées pour ça. Mais moi, j'ai quoi? Est-ce que au moins j'ai un trophée? Non, j'en ai zéro. Il y a marqué en dessous, en grand. Merci beaucoup. Je me sens vraiment valorisée dans ce jeu. Là, on a des nouveaux pets. Oh, il est flippant. C'est une araignée ici, mais une araignée avec trois têtes, là. 90 000. On a ce qu'il faut. Allez, on y va. Et on a reçu le serpent qui a 12% quand même. On a eu un pépette à 12%. On va regarder est-ce qu'il vaut le coup. Après au pire on peut l'upgrade, donc 3,5. Ça vaut pas plus le coup que les le golden lapin. Hop, on l'enlève. On va mettre celui-là à la place. Ah ouais, il est flippant, regardez. Mais celui-là, si je le mets en golden après, je l'évolue, bah ça vaudra le coup à ce moment-là. 6,6, mais manque tellement peu pour pouvoir soulever cette petite balle de ping-pong. Je vais revenir là et je vais faire un dernier petit... bah d'ailleurs, pourquoi je me téléporte pas? Ça irait tellement plus vite. Et là, il faut quoi pour la table? 3,5. Ça veut dire que je peux porter qu'une seule table en même temps. Ah, ça, je peux en prendre un. Oh, regardez-moi, je suis devenue une bûcheronne. On va pas se mentir que s'entraîner, ça prend de plus en plus de temps. J'ai vraiment besoin de plus de... d'abdos pour pouvoir augmenter en une seule fois ma force. Mais là au moins j'ai assez pour aller chercher la petite balle de ping-pong. Donc on va aller tester la petite balle de ping-pong. On va voir ce que ça donne. Là c'était 11 000 il me semble la boule noire. Oui, 11 000 et ça c'est 6,6. Donc je peux en porter une. J'espère que ça va me donner beaucoup. Oui, 164 000. En vrai ça va. Je sais pas si c'est pas plus rentable de prendre plusieurs trucs mais du niveau d'avant. Donc on va voir. Là ça donne 164 000. Et si je me téléporte au Winter et que je prends par exemple, est-ce que je pourrais prendre deux tables? Est-ce que ça donne plus que 164 000? Non, ça donne 150 000, donc ça vaut pas le coup, autant,
Autant aller là-haut directement. Hop, ça va plus vite. Bon bah écoutez les amis, je pense que je vais pas continuer plus loin pour la vidéo du moins. Mais moi c'est le genre de jeu qui est trop addictif pour moi. Après j'ai envie de le terminer. Mais ça prend du temps quand même de le terminer. Mais il est cool, il est cool. Ça reste quand même un simulateur comme tant d'autres. Mais le concept est sympathique. Même si en vrai j'ai bien aimé porter les cartons au début. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que le jeu n'est pas hyper réaliste en ce qui concerne les poids. Ce serait bien que, en vrai, il soit en même temps éducatif, qu'il nous montre par exemple, je sais pas moi, des matières. Genre, à un moment donné, tu portes du fer, du titanium, de la terre, etc. Et que ce soit vraiment réaliste dans le sens où ça te montre qu'est-ce qui est vraiment plus lourd que l'autre. Parce que là, franchement, hein, là, tu mets un ballon de basket, tu mets un oreiller qui est plus lourd qu'un ballon de basket. Je ne trouve pas forcément cela logique. Même si c'est un grand oreiller, voilà, faut pas abuser non plus, c'est pas très logique. Hein. Moi, mon oreiller, je le remplis pas de béton, hein, il est rempli de plumes, hein, mon oreiller, hein, je vous le dis, hein, d'avance. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Le lien du jeu dans la description. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.